Nouveau drame dans l'Himalaya, 9 alpinistes tués dans un glissement de terrain. 9 alpinistes ont trouvé la mort dans l'ouest du Népal, a annoncé The Himalayan Times, précisant que leur camp avait été enseveli lors d'un glissement de terrain. 9 alpinistes ont perdu la vie dans le massif du Mont Gouria, Népal, culminant à 7193 mètres lors d'une tempête de neige, a fait savoir ce samedi The Himalayan Times, se référant à l'organisateur de l'expédition. Wang Chu Sherpa, directeur général du trekking camp Népal, a déclaré que 5 alpinistes sud-coréens, dont le chef d'équipe Kim Chang-ho et le personnel de soutien avaient été tués. Une forte tempête de neige a provoqué un important glissement de terrain qui a enseveli le camp de base situé à 3500 mètres d'altitude alors que les alpinistes attendaient un temps favorable pour se diriger vers le campement situé plus haut, a-t-il indiqué, cité par des témoins oculaires. Un hélicoptère de sauvetage a été envoyé sur place ce matin. L'alpiniste Kim Chang-ho était le premier sud-coréen à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres sans utiliser d'oxygène supplémentaire, a encore précisé le journal. Le drame s'est produit sur le versant sud du massif du Daulagiri, la septième plus haute montagne du monde, dont fait partie le mont Gouria, dans l'ouest du Népal.